أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد، دونك ان كور دو ماس ام ايغال 240 غرام، يعني عندنا واحد الجسم كتلته 240 غرام، اتاكروشي ان ديناموميتر اغوسور، عندنا المعلق بديناموميتر، بطبيعة الحال الديناموميتر له واحد النابض. Donc l'allongement du ressort est à 4 cm. Lorsque le corps est dans l'air, prendre G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc voilà, G 10 newtons par kilogramme. Voilà, le corps est suspendu à un ressort. Il y a calculé le poids du corps. Donc l'oulidette, vous avez G et vous avez la masse. Donc, que représente l'indication donnée par le dynamomètre? Donc, quelle est sa valeur justifiée? Donc, déduire la valeur de la constante du raideur K du ressort. Lorsqu'on plonge le corps entièrement dans un liquide continu, dans un vase gradué, donc l'allongement du ressort devient 3,8 cm. Donc l'oulidette, quand on a l'allongement à vide égale à 4 cm, donc maintenant l'allongement du ressort devient 3,8 cm. Et le niveau du liquide monte de 20 cm. Donc, on a 20 cm cubes. Donc, calculer la masse volumique du corps. Calculer la tension du ressort quand le corps est dans le liquide. Donc, quelle est dans ce cas l'indication du dynamomètre? Que représente cette indication? Déduire la valeur de la force de poussée exercée par le liquide sur le corps. Et enfin, calculer la masse. Donc, calculer la masse volumique ρ du liquide. Donc, l'oulidette. Donc, l'oulidette. حبسوا الفيديو. نزلوا التمرين. التمرين راه مهم جدا. بطبيعة الحال كنطبقوا فيه ما درنا على داكشي اللي درنا في الدرس. ثم نرجعوا للتصحيح. Donc, l'oulidette rejoint, c'est donc calculer le poids. Donc, vous avez toujours que le poids est M fois G. M, donc c'est 240 grammes, rejoint le kilogramme. Donc, c'est 0,24, là, 240 kilogrammes. Et G, maintenant, donc voilà, donc c'est 0,20 kilogramme fois 10 newtons par kilogramme. Donc, newtons par kilogramme, on va dire à kilogramme. Donc, kilogramme à kilogramme. Donc, ça égale à 2,40 newtons. Voilà le poids de corps. Donc, le poids, c'est P égale 240 newtons. Là, 2,4 newtons, c'est la même chose. Donc, ça, c'est petit A. Donc, un B, je n'en parle pas. Donc, que représente l'indication donnée par le dynamomètre? Donc, le dynamomètre, ça veut dire, le dynamomètre indique que la tension du ressort égale à 2,4. Voilà l'oulidette, voilà le corps. Donc, on a le corps ici. Voilà, il est suspendu. Donc, le corps est en équilibre. Donc, en équilibre soumis à deux forces. Ça, c'est P et la force du dynamo. Donc, c'est
نسميوها باغ اكزومبل تي. دونك فوالا كلك تي بلس بي ايغال ا زيرو. دونك سا سي لا تونسيون دو فيل دو كور. انا هو عندنا لو كور دونك لا تونسيون دو فيل باردون سي با دونك فيل بي سي لو بوا دو كور دو كور اس. دونك تي ايغال ا بي égale à mg qui est égal à 2,4 newton. Donc le lidet NT, il est donc la tension du fil donc la tension du ressort c'est 2,4 newton. Donc l'indication du ressort c'est 2,4, donc par exemple c'est 2,4 newton. Ok, pourquoi? Parce que le corps est soumis à deux forces qui se compensent, donc la somme de l'homme égale à zéro, donc elles ont de même intensité et de sens opposé et de même direction. Donc, on dit que le corps est en équilibre sous l'action de deux forces P et T. T avec T, c'est la tension du ressort. P, c'est le point du corps. Donc, le corps en équilibre, ça veut dire que la somme des forces égale vecteur nul. Donc, ces deux forces, elles ont de même intensité. Donc, voilà, T égale à P, T égale à 2,4 newton. Donc on peut dire que le dynamomètre indique 2,4 newton. Et le lidet, on a le dynamomètre qui est lié le head, le qima head. Donc c'est 2,4 newton. Donc حتى لا اوتيل عليكم تمام. Donc le lidet, هنا في المعطيات شنو قال لي l'allongement du ressort est 4 cm. L'allongement du lidet c'est delta L dans ce cas. Donc اول حاجه كان عندنا dynamomètre, qu'on a le fil, donc qu'on a le ressort, c'est libre. Donc ça, c'est L0. Voilà qu'on a donné le corps ici, donc, pardon, c'est même, on a donné le corps, et là, je fais l'allongement ici. L'allongement, donc ça, c'est L, et on a une L tel que à delta L, ça, c'est delta L, qui égale à L moins L0. Dans ce cas, delta L égale à 4 cm. Donc, d'après le cours, que la tension du ressort, ça la tension, égale à delta fois K fois delta L. K, c'est la constante du rideur. Il doit y avoir la valeur. Donc, K égale T sur delta L. Et dans le lidet, il y a K, très au cas, donc delta L, donc T sur delta L. Donc, T, c'est 2,4 newton. Delta L, c'est 4 cm. Donc, on dirait, il y a 4 fois 10 à la puissance moins 2. Ça, c'est en mètres. Donc, le lidet, K, c'est en newton, mètre moins 1. نحسب هذه من طبيعة الحال اللي راه غتعطيني لا فالور نحسبها بالكالكول ديال دونك الوليدات هنا غتعطيني 60 نيوتن بار متر لا نيوتن متر موانزا 60 نيوتن متر موانزا شو اكزرسيس نيميرو لا كيستيون ليا lorsqu'on plonge le corps entièrement dans un liquide contenu dans un vase, un vase gradué, donc l'allongement du ressort devient 3,8 cm. Donc l'allongement devient 3,8 cm. Et le niveau du liquide monte de 20 cm cubes. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Donc, donc il y a 20 cm cubes donc du niveau, donc le volume du corps de ce ballon est 20 cm cubes. Ok,
Donc, ça. Donc, le volume de l'eau déplacée, c'est le volume du corps. Donc, c'est de solide. Le corps solide. Donc, dans ce cas, le corps plonge complètement dans le liquide. Donc, le volume du corps égale au volume du liquide déphasé ou la déplacé. OK? Donc, dans ce cas, on peut dire que le volume du corps égale à 20 cm3. OK? Donc, la question ici, elle nous a dit calculer la masse volumique du corps. Donc, calculer la masse volumique du corps. Donc, le volume du corps, c'est 20 cm3. Ouais, non, ρ, donc ça c'est le ρ du corps, c'est quoi? Donc le ρ c'est la masse du corps sur le volume. La masse ralqina, donc c'est 240 grammes. Donc 240 grammes sur 20 cm3. Donc donc c'est 12 grammes par cm3. Donc donc, c'est 12 grammes par cm3. Et là, j'ai le kilogramme. Bien sûr, j'ai le kilogramme. Donc, si ça, c'est 10 à la puissance. Donc, c'est 12. Donc, ça, c'est 10. Ça, c'est mètre cube à 10 à la puissance. C'est 12. Le kilogramme, à tous les 10 à la puissance moins 3 kilogrammes sur. Maintenant, ça, je l'ai à cm3. Racine 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Donne-moi l'essentiel ici. 1 cm cube égale à 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Donc ça égale, donc c'est 12 fois, donc à dire à l'alpha, donc c'est 10 à la puissance 3, donc kilogramme par mètre cube. Ah oui, l'achille 12 grammes par centimètre cube. Donc, le leader, elle B, calculer la tension du ressort quand le corps est dans le liquide. Donc, le leader, donc voilà le corps ici dans le liquide. Donc, il se met à trois forces dans ce cas. Donc, la force du fil, donc c'est la tension, toujours la tension, et P, donc c'est le poids plus, donc la force exercée par l'eau. Par le liquide. Donc, lorsque le corps suspendu au ressort est dans le liquide, donc il se met à l'action de trois forces. Donc il se met, il se met à trois, à l'action de trois forces. Donc ces trois forces, c'est le poids du corps, bien sûr, du corps. Donc T prime, on disait ça, c'est T prime, c'est la tension du ressort. La tension, donc la tension du ressort, donc ça c'est la tension. Puis on divise par F, c'est la force d'Archimède. Donc c'est la force exercée par le liquide. Donc il y a un problème donc c'est la poussée d'Archimède. Radiologie d'Archimède ici. Donc condition d'équilibre, le corps est en équilibre alors que P plus T prime plus FA égale vecteur nul. Pourquoi? Parce que le corps est en équilibre. Donc, la projection ici, donc la projection P, bien sûr, c'est P. Donc, on va dire la projection, voilà, X, c'est ici. Dans la projection P, mais T c'est vers le haut, donc c'est moins T prime moins FA
donc égal à 0. Alors que t prime, je peux écrire donc t prime, donc c'est p moins fa. Voilà la tension ici. Donc p déjà calculé. Donc p il est déjà donc dans ce cas le dynamomètre indique le poids apparent du corps, donc c'est-à-dire p moins fa. Donc p moins fa, donc si il est indiqué par le ressort à t prime, donc c'est p moins fa. Donc dans ce cas le dynamomètre indique le poids apparent du corps, donc c'est-à-dire donc c'est p moins fa. Ok, donc voilà b. Donc le leader, donc t prime c'est quoi? Donc c'est k fois delta l prime. Donc le ressort, donc il a même k. Donc t prime c'est k. Donc on a calculé, donc c'est 40, c'est 60 fois delta l qui est égal à 3,8. Bien sûr, 10 à la puissance moins 2. Donc là, donc delta l, il y a 3,8 cm, je multiplie par 10 à la puissance moins 2, bah, je trouve 9 mètres. Donc ça c'est en newton, ça c'est mètre newton moins, donc c'est newton, donc c'est mètre newton moins 1, donc là mètre, donc newton mètre moins 1, ici c'est mètre, mètre ratim chima, mètre prendi, donc c'est 60, donc c'est égal, donc c'est, donc t prime, alors, le ressort, donc c'est 2,28 newtons. Donc voilà la tension du ressort dans, quand le corps est dans le liquide. Ok, donc l'oulidette naya, donc c'est donc calculer la force. Donc on va calculer c. Donc déduire la valeur de la force de poussée exercée par le liquide sur le corps. Donc maintenant, j'ai ça, c'est t prime. Donc p moins t prime moins f égale à 0. Alors que t prime égale p moins fa. Bien sûr, fa dans ce cas, c'est t prime. Donc fa, c'est p moins t prime, bien sûr. Donc on a le poids, toujours le poids, c'est 2,4 déjà calculé, moins t prime les calculer ici, 2,28. Donc le leader c'est 0, presque 0,12 newton. Voilà FA, donc la force d'Archimède, donc le poussée d'Archimède, donc c'est 0,12 newton. Ok, on passe à D. Donc le leader m'a dit de calculer la masse volumique V. Donc, rho L du liquide. Donc, le leader, rho du liquide, bien sûr. Donc, on a quoi? Donc, on a que la masse. Donc, on calcule la masse volumique du liquide. C'est ça. Donc, liquide, on a quoi? On a, d'après le cours, que FA, donc c'est poussée d'Archimède égale, donc si rho du liquide fois le volume du corps immergé, donc le corps il est immergé, fois g. Donc on a la fois d, donc on a fa rho l, le volume, donc le corps plonge entièrement, donc le liquide, ça. Donc le liquide, donc, non, donc voilà, donc rho fois L, donc rho L, pardon, rho du liquide égale, donc fois le volume, donc dans ce cas F, ça c'est FA sur le volume émergé, donc voilà le volume fois G, l'intensité de pesanteur, donc FA. On a calculé que FA égale à 0,12 newton sur le volume
الفوليوم راه تكلمنا عليه سي 20، دونك سي 20 سنتيمتر كوب. خاصني نحولها دونك نيوتن، غنحولها للكيلو غرام. اذا غنحولها سي متر كوب، دونك سا سي سنتيمتر كوب، غنحولها لمتر كوب. الويدات سي 10 بويسونس موان 6، سا سي متر كوب. Ça c'est mètre cube, bien sûr. Donc je multiplie par 10 à la puissance, pardon, 10 newtons par kilogramme. Et dans l'olidat, c'est kilogramme par mètre cube. Donc ça, à t'mchili un newton par newton, on hisseb galqa si 600 kilogrammes par mètre cube. Donc l'olidat ahemche ehnaya huwa diru le volume en mètre cube. Pourquoi? Parce que l'olqawa robé kilogrammes par mètre cube. C'est ça l'astuce ici. Donc l'olidat ila huna yantaya hada le vidéo. La tensouna minat dua. Dumtum salimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et dan l'olidat huwa الدرس هذا فقط درس مهم جدا نطبق فيه العلاقات اللي كنعرفوا على بوسيال دارفيميد و بيان سور لا ماس فوليميك لو فوليم ايمرجي من طبيعة الحال دونك لا فورس دونك لو فورس اكزيرسي سور ان كور اون اكيليبر. Donc il a une interview vidéo, donc tout le monde est salué, voilà, tout le monde est salué.